Bonjour YouTube, désolé. Désolé, on est obligé de retourner là-dessus. On est obligé de retourner sur le training du Twitch Rival Speedrun. On va essayer de faire 9 persos cette fois. On a fait 8 la dernière fois en 2h30. Aujourd'hui, on va essayer de faire 9. Et j'espère que ça va bien se passer. Oublie pas de passer par Downpour. Oh mais non, mais Downpour, ça donne pas envie, quoi. En plus, Downpour, tu payes une clé pour aller là-bas, quoi. Oh mais Downpour, ça donne pas envie du tout. Hein. J'ai pas envie de passer par Downpour, moi. Non, je passe pas par Downpour, YouTube. Hein. Une autre fois. Je suis trop fatigué pour passer par Downpour. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Mais j'ai pas le tracker. Si. Mais moi, j'ai pas le tracker. Moi, il me faudrait le tracker quand même. Parce que vous, vous avez pas le tracker. Vous avez le tracker du jeu. Moi, j'ai pas le tracker. Oh, bon bah c'est parti. Hein. 16 secondes. Only 16 secondes. Let's go. Bon, cette fois, je vais faire un peu plus gaffe aux ressources. Surtout sur tout ce qui est clé et bombe, j'en ai dodge beaucoup trop. Parce que Louise, elle m'a dit un truc très intéressant. Elle m'a dit, des fois, tu perds du temps à ramasser une bombe, mais plus tard, elle te sauve genre 30 secondes. Et j'étais en mode, putain, mais c'est tellement vrai, ça. Je sais pourquoi ça m'arrive de laisser une bombe derrière, alors que ça me prendrait legit une seconde de la prendre. Et plus tard, ça me sauve N secondes, en fait. Pourquoi je le fais pas, quoi. Par contre, pourquoi je bourre pas A là? Genre, on est en speedrun ou... On est en speedrun ou on est là pour rigoler en fait? Personne ne rit là. Après, The Fool ça se garde peut-être aussi, je sais pas trop. Oh, les pierres sales. Je suis un peu en mode découverte là. Je suis un peu en mode playthrough là, si ça vous dérange pas. Genre là, tu prends tout là, petite bombe en or pour aller au shop, c'est parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? The Empress, ok, on va garder The Fool. Il y a le shop devant nous, c'est parfait. Bon, c'est terrible ce genre de salle, c'est vraiment de la merde. Je promets, j'ai promis dans le titre YouTube un stream zéro rage. Il y aura zéro rage dans ce live. BFF, on va prendre du pognon, je pense, ça c'est sûr et certain. Palapapapalap. On va prendre le cœur, on va prendre ça, qu'est-ce que c'est? Jugement. Dépêchons-nous. Après, en vrai, la run commence pas trop mal. On a le time, quoi. Par contre, j'ai pas re-rempli ma machine et ça, c'est terrible. Hein. Je vais chercher mon item room, hein, je pense. Tant qu'on n'est pas dans des étages trop grands. Puis on va se casser, quoi. Les 4 sets a fait plaisir, quand même. Tractor beam pour du tier rate. Double luck up. Allez, let's go, let's go. On avance. Tu peux optimiser le posage de bombes au lieu de les mettre une par une. Ouais, mais il y a un timer, quand même. La musique, c'est Dicey Dungeon, en effet. Bah, pousse-toi! Ok. Les saves seront à 999 dans la machine. Alors, normalement, oui. Normalement, oui. Je sais pas pourquoi j'économise. Première fois sur ton live, tu viens de YouTube. Bienvenue. Pourquoi je vais là? Je sais pas non plus. Let's go, hein. La machine de don autorisée en speedrun, bah là, je vois pas pourquoi elle serait pas autorisée, mais... On sait jamais, on peut avoir des surprises sur les règles, hein, mais pour l'instant, je crois pas. Hein. Pour l'instant, je crois que c'est très vanille, j'aurais dû aller en haut à droite. La méta Angel Room. Hein. Ah mais la méta Angel Room, je sais pas... On n'a pas le racing mode, quoi. Je sais pas si vraiment Angel Room, là, c'est pertinent. Je veux dire, si t'as un couteau ou un brimstone... Bon, j'ai pas de clé, c'est super. Ah, c'est pas ma faute, hein. j'ai ramassé les consommables, c'est juste que j'en trouve pas à cause de Contract From Below. Putain, mais j'ai vraiment pas de consommables, c'est terrible, j'ai vraiment pas de clé, quoi. La vie est nulle. La vie est terriblement nulle. Allons-y! Puis nouvelle règle incoming le 16 novembre, c'est sûr, hein. C'est sûr et certain. Hein. C'est sûr et certain que le 16 novembre, en fait, on n'aura pas le droit à ça, ni à ça, et ça non plus. Ça c'est bien, j'ai fait toutes les curse rooms et elles servaient absolument à rien, ça me fait plaisir. Est-ce que j'ai regardé des runs de speedrunner? Absolument pas. J'ai absolument pas regardé de vrais speedrunners faire ce défi. C'est pas que j'ai pas voulu, hein, c'est que j'ai jamais trouvé le temps de le faire. Oh terrible, j'ai pas envie de faire cette salle. Si tu as Godhead, Sacred Heart ou Révélation? Bien sûr, mais ça intervient tellement plus tard, quoi. C'est ça, le problème.
Il est bien mon Azazel là. Petit lump of coal. Même une tête de Krampus pour une fois, ça m'intéresse quoi. Pam 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 pam. Oh, les clés, mais c'est tellement tard les clés là. Je me casse si fort. The Mind aussi, même si ta map... Ouais, j'avoue, je suis le map god, mais... Je suis le map god, mais j'avoue que The Mind, ça me tente quand même. Nice, ça. Très très bien, ça. Bah, par contre, c'est quand tu veux, quoi. C'est un peu le coup dur. Tant pis pour la bombe. Bah, vous voyez, là j'aurais dû accepter de perdre le temps et ramasser la bombe. Tamiz Head. Ah, ce qui paraît, Tamiz Head, dans les versions console, c'est revenu en item room. Oh, Pokchamp. J'aurais jamais cette chance au Twitch rival. Hein. Bah déjà, je serais pas invité, quoi, donc c'est chaud, hein. Bam bam, j'avoue, le jour J en fait sera pas sur Repentance, ce sera sur... Oh non... Chariot, 2 de diamant... Je sais pas si on garde la tête de Krampus, je perds du temps pour rien... J'ai pas pris le chariot... Ma vie est terrible... La run semble acceptable, ouais mais je vais pas assez vite quoi... 4.49, c'est nul quoi... Mais d'à côté, pourquoi c'est pas par là? Pourquoi ma vie c'est de la merde comme ça et c'est pas par là? Aïe... Est-ce que je pouvais être plus lent? Je pense pas en vrai. Non, par contre, j'avais dit zéro rage et je tiens à cœur en fait. Il y aura zéro rage. C'est tellement nul la tête de Krampus en vrai. Comparé à mon build là. Oh, je perds le vol et les invincibilités. Tu traînes tranquille. J'avoue que c'est vrai que je suis en training là. Je sais pas si c'est très méta les Curse Room en vrai. En fait, les Curse Rooms, ça peut être bien quand ton build est pas si ouf, mais là que mon build est bien, peut-être j'avance et puis on s'en fout, quoi. Arrête de mettre des rochers marqués partout, là. C'est cringe. Putain, il y a tellement de bombes. Tellement de bombes que je ne prends pas. Hop, hop. Oh. Non, je ragerai pas, je ragerai pas. Ah non, je ragerai pas, c'est promis. C'est promis, je ragerai pas. Interdit. Interdit de rager. C'est quand même bien de la merde. Hein. C'est quand même bien de la chiasse, quoi, ce qui vient de m'arriver, là. Zéro rage, zéro rage. Interdit, interdit. Qu'est-ce qui se passe dans le chat, là? Non, regarde pas le chat, 2 secondes et les gens partent en couille, quoi. C'est quoi vos délires, là? On prend des bombes parce que... Oh, la carte, ça peut être empereur. Ça, j'arrive pas à charger mon brimstone. D'où ça sort, là? Qu'est-ce que... Pap. Putain, les dégâts que j'ai, par contre. Pap. Déjà, comment vous en arrivez à parler de ces pièces? T'as pas lu le bon message, je crois. Bah ouais, mais encore une fois, je pose mes yeux sur le chat, c'est fasciste et tout le bordel, quoi. Je suis en mode... Ah bon, je croyais qu'on rigolait et qu'on faisait du speedrun, là. J'ai pas compris, là. C'est SPP qui a allumé la mèche. Putain, mais... T'as pas marre, hein? Non. Non, non ou non, peut-être.
Non, non ou non peut-être. Oh, au secours. Les dégâts que ça met, ça... Non, 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 non. Non, non, non. Oh, j'ai failli la prendre deux fois. Ouvre-moi la porte, ouvre-moi la porte, ouvre-moi la porte. M'en fous. M'en fous. Ça va pas être là, hein. Ça va 100% pas être là, hein. Je rage pas, hein. Je réagis, là. Je réacte. C'est du réact que je suis en train de faire, hein. Je rage pas, hein. Moi, j'ai jamais ragé. Je sais pas ce que c'est, la rage, hein. C'est tellement pété, ça. Je sens bien à droite, là. Je crois que j'ai du flair. Chichrosco. Je crois que j'ai du flair, hein. Dépêche-toi de mourir. Non, ah, vas-y, j'ai zéro flair. Et en plus, j'utilise une bombe au pire endroit, quoi. C'est terrible. Je crois que j'ai du flair. Hein. Oh! Le map god! I'm the map god! Tiens, fumier! Oh non, j'ai pas rechargé. Oh, c'est cringe. Je suis en train de perdre 10 secondes, là. Zéro rage, hein. Le truc, c'est que la dernière fois, j'avais un empereur, non? J'étais un peu le map god, là. Oh. Non, ça donne du dégât, quand même. Attention, le map god. Le map god. Oh, le map god. Oh, le map god. Oh, le map god. Oh là là. Oh, le map god. Le map god. I'm the map god, skibidibidi pop bada pop. Bop bada. Mais putain, skibidibidi bop bada bop. Bop bada bada. J'ai pas ragé, hein, c'est faux. Ok, on part avec qui après? Isaac. J'ai pas ragé, c'est faux, hein. On est parti si vite avec la cricket set aussi, hein. On s'est décidé, je pars avec tout. Non, pire idée, ça. Pire idée. C'est quand on partait avec tout qu'on a failli mourir N fois. Là, on a clairement pas les mêmes runs. Calmez-vous, par contre. Hein. Non, 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 non. Fais plus avec le mode. Bah, il y aura pas le mode le jour J, donc ça a pas trop de sens. Hein. On peut me backseat sur les starters que prennent les speedrunners et que tu prends pas. Ouais, clairement. Qu'est-ce que je prends jamais et que les speedrunners prennent, hein. Tu devrais essayer Eden car tu peux lancer à chaque reroll. Oui, non, je sais bien. Hein. Je sais bien qu'Eden, la dernière fois, on aurait dû le jouer. IPK, quand même. IPK, que je l'ai reroll, c'était une erreur la dernière fois. J'ai pas reroll et Pikak. La paille. Non, mais il commence pas avec la paille. Hein. Fermez-la. Ne dites pas de la merde. Il commence avec Capricorne. Je pense qu'il commence Fortune Cookie aussi. SMB, c'est bien, non? Non. Non, non. Et non. Et non, c'est nul, en fait. Bon, on est bien, là. On est en train de reroll, là. Ça start, ça. On est d'accord, hein. Ça, tu startes, pingouin, ça. Dans le contexte de l'event. Tu startes. Parce que c'est pas bien, hein, mais ça start, on est d'accord. Oui, même si pas ouf. Non, mais on est d'accord que c'est pas ouf du tout. Hein. Si vous pensez que ça, c'est ouf en speedrun, c'est vous avez 6 ans de retard, en fait. Vous avez joué à Rebirth, quoi. Oli, c'est un bon start. Bah, en fait, c'est Léo Zitrone qui aime plus les starts, quoi. On n'aime plus aucun, quoi. Donne les fakes infos. C'est un bon start, oui. Ah, mais on est d'accord que si tu tombes pas sur un couteau ou un truc qui profite des dégâts, ça s'essouffle quand même très très vite, Polyphemus. Merci à Liénor pour les 3 mois. Le Prime est encore plus insomniaque que moi. Merci beaucoup. Des petits Primes qui insomnisent, là.
On entend Eterna derrière, mais c'est parce qu'elle joue à Amogus. Elle fait partie de, des gens qui jouent encore à Amogus. Je vais garder ma clé pour l'item room si je la trouve, je pense. J'ai tellement peu de ressources. C'est terrible ce qui m'arrive là. C'est terrible. C'est terrible, c'est affreux, mais il se moque de nous. Ah non, mais il se moque de nous. C'est vraiment une belle salle, ça. Mais c'est vrai que si on a Maw of the Void, par exemple, on est quand même bien, là. Maw of the Void, n'importe quoi. Mais genre là. Pingouin, Gammonimus, Léositron. Dans cette situation-là, vous allez dans le Devil Deal, quand même, avec le D6, là. Vous allez en Angel Room, hein. Et je comprends rien au jeu. Je suis un peu déçu, quand même. Je suis un peu déçu de mon Devil Deal, hein. Je suis mi-déçu, mi... Non, je suis globalement juste déçu, en fait. Par contre, tu prends rien, là. Tu gardes les chances de Godroom, là. Mais en fait, c'est que je suis tellement déçu que je suis obligé de repartir avec un truc. Tu sais, c'est un peu comme quand tu vas au centre commercial et qu'il n'y a rien de ce que t'espérais, mais tu repars quand même avec le temps des tempêtes de Nicolas Sarkozy parce qu'il faut bien repartir avec un truc de la Fnac, tu vois. Personne fait ça ? Pap, papalim, pap, papalim, pap, papalim. Non, désolé, ok. C'est un peu un plan cul cette run, hein, j'ai l'impression là. Hein. Bonjour. Voilà, j'avais confiance, c'est nul, mais j'avais confiance. Ah, c'est nul. Merci Kiyuke pour les 30 mois de Prime, qui dormait. Des gros bisous. Oh! Oh! Oh, let's go! Let's go! Putain, oui, j'avais oublié ça par contre. Let's... Non! Oh, je vais mourir, ça va être très très cringe. Je vais hit cette salle parce qu'il y a l'item room et que j'ai besoin de cœur et que j'ai besoin de cœur en fait. Le cœur d'objets, n'importe quoi, enfin des trucs quoi. La limonade, yes. Let's go! Oh, je vais tellement mourir! Je vais tellement mourir, ça va être terrible. J'ai tellement pas de points de vie, j'aurais jamais dû prendre l'autre truc. Oh oui. Let's go! J'aurais dû Yera! C'est pas de la rage, c'est du. C'est totalement différent. Non mais qu'est-ce que je me bats? Hop hop! Je fais tellement vite que. Attends, je vais prendre la clé. Oh, le Bumbinade, hein, putain. Oh bah vas-y, en plus, il est à l'autre bout du monde, quoi. Vous pouvez pas être plus loin, la Bumbinade, là. Oh, nice. On se dépêche. Let's go. Merci Freeze pour les 6 mois de Prime. Je fais ça avec les jeux de société. Quel jeu de société ? J'aurais pas dû. En fait, j'espérais. Après, on va aller très très vite. En fait, là, ce que j'espérais, c'était trouver une trappe pour partir d'ici. Pour le lit, tant pis pour les trois cœurs. Hein. J'ai pas envie de gaspiller ma seule clé. Yo, le mongolo. Mais allô ? On se connaît, on a. Qu'est-ce que. On a élevé. Et je t'ai oublié depuis le CP. Qu'est-ce qui se passe là ? Da-da. Et vous voyez, je suis fort, hein. À chaque fois que je mets mes yeux sur le chat, hein. Vraiment, à chaque fois, hein. Da-da-da. Merci, Soul Ismald. Soul Isalmed. Je sais plus lire, désolé, hein. Et merci, Coyote, pour les 10 mois aussi. Oh yes, ça. Merci, Better Call Raoul, pour les 65 mois. Des gros bisous pour Orisub, merci beaucoup. J'ai pas la ref, hein. J'ai pas la ref du yo. J'arrive et boum, yo le mongolo. J'ai pas la ref, hein. Désolé, hein. Je sais pas s'il y a une ref, mais je l'ai pas, hein. Il esquive la clé.
Il a pas mis Kappa, ouais. Mais même avec Kappa, j'ai pas la ref, hein, c'est marrant. Est-ce que je suis un ouf? J'aurais dû aller chercher les trois cœurs bleus du lit. Ça taille tout le lit, là. Surtout que j'avais oublié que j'avais un cœur blanc, c'est terrible. Je me bats. Non, mais c'est terrible. J'ai pas de clé! Bah oui, mais j'ai pas de ressources, normal, j'ai Mercurius. Mais j'ai pas l'habitude de jouer Mercurius en 1. Qu'est-ce que... Ok. Et là, faut se battre, évidemment. Et mon build, il pue un peu du cul en 1. Attends, mais je me suis téléporté tout là-haut, là. Enfin, je me suis pas téléporté, j'ai juste parcouru toutes les salles. Et je croyais que le shop était vraiment beaucoup plus près que ça. Tadam. C'est terrible mes damage un peu. Non, pas toi. Je joue encore comme si j'avais Proptosis, quoi. Le build s'essouffle. Mais après, ce qui est bien, c'est que je peux avancer comme je veux, quoi. Que le build s'essouffle ou pas, le womb, c'est une formalité, en fait. Quoi. On a juste à faire ça, et voilà, quoi, c'est win. Hein. Voilà. Par contre, c'est vraiment un truc de repentance qu'à chaque fois, devant le boss, ce soit la pire salle ever. On n'a jamais vu une pire salle que ça, et c'est juste avant le boss, quoi, à chaque fois. C'est repentance aide, quoi. J'ai l'impression que la dernière fois qu'on a fait 2h30 de speedrun, c'était la même histoire. La salle juste avant le boss est la pire salle du monde. Je fais pas de dégâts, c'est terrible. Tu rages un peu? Non, non, non. Non, vraiment pas, en vrai. Booster pack, c'était cool, mais j'ai pas de vie, donc... Merci Kendall, hein. Et Chris aussi, pour les 1 an. Des gros bisous. Merci, merci. Pourquoi je me bats? Je sais pas. Malaise. Cringe. Tot, 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 tot. Oui. Ça me fait peur le tentacule. Un tentacule. Pouette, pouette. Eh la pire salle. Eh le retour. Eh c'est parti. Ma bien halas, la pire salle du jeu. Mais vas-y! Non mais c'est pas de la rage, mais c'est un constat, quoi. Ah, y avait un rocher marqué, mais j'ai plus de bombe. C'est pas de la rage, mais c'est un constat. C'est un constat! Non, 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 arrêtez, je rage pas, je rage pas. Zéro rage. Moi, tout va bien, hein. Ça va, vous? Paf, la rage. Non. Non, parce que zéro rage, en fait. Par contre, je recharge pas mon D6, c'est un peu le malaise. Non, non, j'ai pas le droit de prendre ça. J'ai entendu de la rage là, bah t'as mal entendu je pense. Palapapapap. C'est pas la pire salle. C'est même une excellente salle. Pour essayer de choper un hiérophone du dernier moment, là. C'est pas hiérophone, ça, par contre. Gros speedrun, en tout cas. Mais je lui ai infligé que ça comme dégâts. Ah oui, non, c'est pas. Ça va en vrai, 9 minutes ça va. Is ok.
Pam, 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 pam. Tant qu'on reste à 15 minutes de moyenne par personnage, c'est la road to 10 personnages en fait. Hein. Bon, je vais pas claquer Yera. Je veux claquer Yera seulement s'il y a des cœurs en fait. C'est pas possible ça. C'est interdit ça. En vrai, je prends larynx. Et c'est à chier, mais si je me fais toucher. Le pentagramme. Bah quoi ? Non. Il y a zéro rage. Il m'a quand même un peu pré-shot le bâtard. Hein. Merde, il faut que je me batte, putain. J'ai oublié. J'ai oublié qu'il fallait que je me batte. Malaise. Play of the game! La Yera play of the game, quoi! Oh, j'ai toujours su qu'Yera c'était OP sur les... sur les sacs. J'ai vraiment jamais douté de la puissance de Yera sur un sac à la con, quoi. Mais qu'est-ce que... Putain, j'ai vraiment... Je galère. Hein. Alors que si j'avais juste pris le temps d'aller dans le lit, là, on serait tellement bien niveau point de vie que j'aurais peur de rien, en fait. Tiens, lui, comme ça, on l'enlève. Hein. Isaac V2 de mort, là. Tellement je l'aime pas, celui-là. T'as vu un start Super Meat Boy avec Azazel et j'ai vu des starts avec Tech.5 avec plusieurs persos. Ah, mais Tech.5, moi je suis chaud, hein. Bien, bien. Tiens d'ailleurs, on s'embarque dans un petit plan cul là. Le plan cul du... Non mais je vais prendre Sanguine Pond je pense. Par contre dépêche-toi. Je m'embarque dans un petit plan huc là. Petit plan huc du Tech 5. Tech.5, en fait, si tu trouves des dégâts, c'est vraiment extraordinaire, quoi. La Soul of Jacob et Issou, c'est vraiment extraordinaire aussi. Non, ça c'est interdit. Y'a vraiment pas le droit, en fait. Tech.5, Sacred Heart, c'est win. Ouais, ouais. Déjà l'avoir, quoi. Bien géré. Red Key, c'est un item Godroom par étage. Elle fait quoi la Soul? La Soul of Jacob et Issou, elle crée un deuxième perso dans la Saluté. Il a autant d'items que toi t'en as, du coup si il a des items qui font spawn des consommables, tu les gagnes. Lump of Call, c'est GG. Lump of Call, ça mettrait très bien. Après déjà, un damage up là, ça fait plaisir. Hein. Le petit cœur bleu. Ça peut être perdre trop. Nine lives. Nine lives ou la pelle. Hein. Putain, la pelle quoi. Oh, c'est perdre trop. Pas perdre trop deux fois avant. L'appel, c'est une sacrée brasse, hein. Pourquoi ? Ah oui, j'ai fait un en suse. Curse of the Blind. C'est un peu présomptueux, mais bon. C'est un peu impétueux. Parfois un petit peu trop impétueux, quand même.
C'est une pelle courageuse là que je suis en train de faire quand même. Hein. Ce vieux briscard. Bloody Gust, bon c'est nul hein mais... Pourquoi Sanguine Bond? Parce que Red Key, qu'est-ce que tu veux que j'en foute en fait? Bon il me faut du stuff quand même, je peux pas trop me pointer avec ça sur genre Momzart quoi. Il me faudrait un minimum de stuff quand même, donc on va gentiment se calmer l'arrêt. C'est une belle salle ça quand même, hein. J'aurais peut-être dû la bomber hein. Je suis en train d'économiser des bombes depuis tout à l'heure. Ok donc le jeu veut vraiment que je joue les Red Room apparemment. C'est important. Ça sent le petit Sacred Heart, la petite Godhead sortie de nulle part là, sortie de mon Huc. Magic Mush. Dommage. C'est quand même abusé Tech.5, hein. Ça devrait être nerf. Hein. Regarde-moi ça. Hein. On a rien dans la run à part un damage up et Tech.5 et on défonce les boss quoi. Enfin on les défonce. Pas autant que si on avait un couteau ou un vrai truc mais... Bien le Devil Deal à 72%, ça fait plaisir. En fait l'appel déjà c'est surtout très bien pour skip le Womb 1. Par contre je vois pas mes item room, je suis en train de me battre avec mon Sgeg quoi. Le Sgegos, non. Après ce qui est bien c'est que j'ai fait des starts rapides là. J'espérais des cœurs dans ce coffre rouge. Il me faut bien des objets hein. Prendre anémique hein, si quitte à prendre quelque chose. Hein. Je voulais back mais j'ai pas réussi. Non mais meurs s'il te plaît. La clé fallait la prendre. Bah, c'était un plan Q validé hein, c'était un plan Q validé. Jugement, ouais, cool, 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 cool. Plan Q validé, hein. Vraiment, on est sur du plan Q de qualité là. Et qui s'appelle en cas d'échelle, non hein. Ah, si jamais il y a une échelle de corde, c'est vrai qu'on pourrait l'utiliser. En fait, je la garde chargée en mode on sait jamais si jamais... Si jamais l'étage est vraiment trop chiant, je peux me barrer. Non, mais ça abuse. Non, mais non, non. Non, là, il y a de l'abus, là. Non, il y a vraiment abus, là. Le jeu abuse. Hein. BFF, PhD. Bon, rien d'utile, quoi. Terrible, j'aurais pu avoir Death Certificate quoi, mais non. Le jeu, il a décidé de me mettre de la merde à la place. Je sais pas pourquoi j'y ai cru. C'est terrible ce qui m'arrive. Si vous voulez juste arrêter d'être un connard, quoi, ce serait bien en fait. En plus, lui, les larmes, elles partent trop vite. Ouais, genre, ça part vraiment trop vite. On s'en fout de Sandine Pond. Ouh! Oh! Oh! Goathead, échelle de corde Abaddon, je pense. Twisted Pear, je suis pas sûr que ce soit le meilleur là. Casse-toi. Bah, du coup, je vais louper des. Oh, mais what the fuck, les amis! What the fuck, the super! Non, mais non, mais non. Mais ça m'arrivera jamais, le jour J, on va avoir Mars et,
Et Jupiter en boucle, quoi. Non, mais non, 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 faut pas s'habituer. Double Mercurius, c'est abusé. Merci Darknell pour les 3 mois, Newa pour les 18, Yotol pour les 25, Noxnea pour les 17. Merci vraiment pour vos resubs, des gros bisous. Merci beaucoup, beaucoup. C'est grâce à vous, hein. C'est grâce à vous qu'on en est là. C'est grâce aux resubs. Par contre, encore une fois, j'ai pas un build qui tue les boss, quoi. Mon build, c'est de la merde, c'est tout, hein. C'est vraiment de la chatte, quoi. Non, j'ai pas le droit. J'étais en train d'hésiter. Pfff. Mais non, je rage pas. Putain, tu veux un 600? Pardon. Un petit clown, comme ça. Pourquoi c'est fermé? Ok. Ça manque d'une empereur card quand même. Est-ce qu'on parie que la salle la plus chiante est juste à côté du boss? Ah, merci, merci. Merci, c'est tout pour moi. Il me faudra un couteau de dernière minute là. J'ai pas de clé, c'est terrible. Il y a une red room qui s'est ouverte. Ça sent un peu la rage là. Allez hop! Me le banner lui là! Allez hop hop hop! C'est de la merde Brimstone, je pense, dans cette situation, c'est à chier. 3 coeurs en plus, c'est trop cher. Merci Reya pour les 4 mois. J'aime trop cette musique. En fait, faut vraiment que j'écoute l'OST de Dicey Dungeon le jour J. Elle me booste. Elle me donne des ailes. Elle me donne Mercurius en fait. Sans ça, j'ai pas Mercurius. Yes. Paul était toujours à côté des pires salles, quoi. C'est le boss toujours à côté de la pire salle du jeu, en fait. Comment je les tue, en fait? Donne-moi 15 clés, là, à la fin de cette salle. Putain, mais je peux même pas les buter, en fait. Ils sont trop OP. Too much point de vie. Bon, faut juste rester en vie et réussir les deux fights, ok? Y a vraiment rien de plus à faire, hein. Faut calmer le jeu, pas essayer d'aller le plus vite possible. Si on arrive à faire genre 12 minutes, c'est incroyable en vrai. Hein. 12 minutes, c'est très très bien. Hein. Peu importe le build, quand t'as Mercurius, c'est cool. Hein. En plus, là, je suis en train de sortir les esquives des grands soirs. Là. Oh, cou... Je demande la barre là. Enfin, c'est pas sûr qu'on fasse 12 minutes quand même. Hein. J'ai pas assez de range, faut pas que j'oublie de mettre mes larmes hein, sur le pote là. Parce que les lasers font du dégât, mais faut bien que je place mes larmes aussi. Hein. En plus, il n'a pas de clé coup dur. Mais c'est pas grave, là j'ai juste à faire les boss en fait. Honnêtement, je tue les deux boss et c'est bien. Hein. Moi, enfin, on va faire genre 40 minutes, 3 persos. Ouh, ça a chier 40 minutes, 3 persos. Tout à l'heure, on était à 15 minutes. Celui-là, il a vraiment duré. Non, en vrai, c'est bien 40 minutes, 3 persos. 40 minutes, 3 persos, c'est ok. Non, c'est pas à chier, c'est même bien. Ouais. Faut juste pas qu'il y ait une sale troll juste à côté du boss, si possible. Bon, déjà, le boss, il est pas là. Oh super. Oh, j'aime ma vie. Zéro rage. Zéro rage. Je sais pas pourquoi je ragerais en fait.
Pourquoi c'est toujours Curse of Mekui ici? Curse of... j'adore le jeu. Je ne rage jamais. Pourquoi ma bombe a fait 0 damage? Cringe un peu, malaise. Objectif 13 minutes et c'est bien. Super magnifique. Exactement ce que je voulais. J'ai pas le Lump of Coal dans cette run? Non, c'était dans la run d'avant. Je me précipite un peu par contre, c'est terrible. Je touche pas mes larmes. Stop, me mettre des situations d'échec et mat par contre. Enfin, c'est terrible les esquives que tu me demandes de faire là. Putain, le troll baby, quoi. Ah, merci pour les resubs. Bachananas, merci beaucoup. Merci Reya, on l'avait dit. Merci, merci. Combien de Mercurius sur les 2h30? Bon, je pense qu'on peut encore en choper 3-4, là. La dernière fois, c'était les Emperor Cards, là, c'est les Mercurius, quoi. J'ai pas de cœur noir donc je peux pas booster mes les damages que je lui inflige. Ok. Ça va. Qui c'est qu'on joue là? Tainted Sanson, tiens, on va le placer maintenant. Lui. Qui c'est qu'on n'a pas joué dans les persos normaux qui sont bien? On n'a pas fait Tainted Lilith non plus qui est vraiment pété. Eden. C'est vrai qu'Eden, on peut le tenter. Eden, on le tentera en dernier. Ouais. Si on arrive à faire un 9ème perso, je fais Eden. Judas, Kane, Tainted Judas. Kane V1, ça se joue, ça? Eve aussi. C'est vrai que Eve, on l'avait joué la dernière fois. Pour la luck, oui. Keeper V2, moi, ça me fait peur. Hein. Keeper V2, ça me fait peur de ouf. Hein. Forgotten, oui, Forgotten, ça s'était très très bien passé la dernière fois. Hein. On a eu de la chatte sur les starters jusque-là, quand même. Hein. On est parti très très vite à chaque fois. Hein. Merci, Mada. Merci beaucoup pour les 7 mois. Est-ce que tu penses que t'auras le niveau pour battre Koro Bizarre? Déjà, j'aimerais être invité, quoi. Déjà, j'aimerais être invité à l'invitational et ensuite on regarde quoi. What the fuck, data miner? Et alors? Un planétarium au premier étage? Ouais. Mais faut une clé du coup. Et puis en plus de ça, faut avoir la chatte aussi qui soit dès l'entrée, quoi. Ou alors, c'est, il est dans la run dans laquelle tu pars avec ton starter. Enfin, la paille, je suis pas parti avec la paille, c'est terrible. Bloody Gust à toutes les runs, quoi. Pourquoi pas Infestation 2? Parce que c'est de la merde. C'est bien ça? Bah, en fait, si t'arrives à avoir les 10 de luck, c'est cool, mais... Si ça avait été les dégâts, j'aurais tout risqué. Et j'aurais regretté. Même avec Lost, je starte pas. Holy Light? Ok. Je fais confiance, hein. Tu sais, ça me gratte le pif, Game Kid. On est sur un bon reroll, là. Non, mais je vais pas partir Jacob Ladder, quoi. Ah. On est là.
On est là. On est Al. C'est parti. Ça, c'est un starter. Ça, c'est un starter comme on les aime, ça. Ça, c'est du bon starter, les potes. Allez, c'est parti. Docteur Fœtus, c'est quoi? Un petit clown, comme ça. Docteur Fœtus, c'est top tier, on est d'accord. Non, arrête! Oh, mais pourquoi tu fais la salle, déjà? Il y a zéro rage, hein. Il y a vraiment zéro rage, hein. Docteur Fœtus, c'est top tier, on l'a vu la dernière fois. Hein. Sanson V2, un peu relou, quand même. Enfin, je sais pas trop ce que ça va faire comme interaction, honnêtement. Oh, ça va, c'est ok. J'avais bien plus peur que ça, moi. J'avais peur que ça fasse un peu plus chier. Râler n'est pas rager. Eh, il a raison. Mais il a raison, hein. Oh. Let's go. Pam pam. Après, on rappelle que Docteur Fœtus, c'est très 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 long. En fin de game, sur la cathédrale chest, les salles, tu mets 15 ans à les valider. Purgatoire, je prends pas. Hein. Y'a no way. Quand ça commence à casser la vaisselle, on peut parler de rager. Ah, y'a zéro vaisselle pété ici. Hein. On est full bonne ambiance. Hein. Only bonne ambiance. Merci Zalout aussi pour le sub. Attendez, je vais juste aller dans mon item room quand même. That's nice. I guess it's mieux que rien. Si t'avais attendu de perdre ton Berserk, tu allais avoir le up de damage avec la médaille. Ah oui, c'est vrai ça. Pas dommage. Hein. C'est ce qu'on dit. Hein. C'est terrible ça. Bon, au moins on aura vu le shop, pas de regret. Je les one-shot pas, c'est terrible. Prends pas purgatoire avec Docteur Fœtus. Non, bah tu vois bien que je l'ai pas pris. non, je sais pas, je le sentais pas trop au purgatoire. Hein. C'est vraiment un truc que j'aurais pas dû faire ça. Papapapapa. Dis donc, tu te foutrais pas un peu de ma gueule, là? Enfin, je veux dire, sans aucune rage, quoi.
Bon, je vais éclairer cette salle parce qu'à tout moment faudra passer par là et ça va me saouler. Il a jamais voulu bouger l'araignée de merde. Le map god, hein. C'est tout, hein. Encore lui. En fait, si j'avais pu utiliser mon cœur, j'aurais pris ça, mais... Je pouvais pas utiliser mon cœur, malheureusement. Je valide une salle pour ça. Pas de pousser, non. Non, c'est vraiment... C'est pas prévu, quoi. La merde. C'est pas de la rage, hein. C'est juste du plaisir en fait. Je prends beaucoup de plaisir à pas rager, mais. Enfin, vous m'avez compris quoi. C'est pas de la rage. Pas de clé. J'ai une clé, mais. Merci la Mastico pour les 26 mois de Prime, des gros bisous. Ionis, c'était les 6 mois parce que la seule rage qu'on verra ce soir c'est celle de vaincre. Merci, c'est beau ça, c'est beau et ça fait plaisir. Merci, merci. En tout cas, peut-être que je fais des erreurs, mais ce soir, je suis content de ce que je développe en esquive. Hein. Ça me fait plaisir. Pour l'instant, la façon dont je joue me fait plaisir. Je dis ça et je tombe évidemment sur le pire pote, là. On n'arrive pas à buter avec un cube of meat. Super, qu'est-ce que je fous de ça? En vrai, il y a peut-être des vrais strats avec le Divine Shield, là. Et ce ratio, il me fait plaisir, oui. J'adore les ratios. J'adore ça. C'est vraiment mon truc préféré de Twitter, je vous l'ai déjà dit. Hein. Je m'endors pas avant d'avoir lu quelques ratios sur Twitter. Assez vite pour faire des allers-retours du genre. Super. Je peux pas vraiment faire grand chose de plus là. Je sais pas pourquoi je prends ça, mais je l'ai pris. Hein. Comme on se retrouve. Bon, au moins, on sait que c'est pas par là. Je prends toujours les mauvaises décisions, mais là, on s'est pas trop embarqué dans un truc de l'infini. Deux fois cette salle, c'est terrible, par contre. Ouais, j'en profite. C'était de la merde, mais c'est pas grave.
La cathédrale, c'est vraiment un des pires endroits sur Terre depuis Repentance. C'est vraiment fort que ça repousse les larmes en fait, t'as juste à bourrer et tous ces ennemis là, ils l'ont dans le cul en fait. Hein. Il y a des chances que cette run soit plus longue que celle d'avant. Hein. Selon comment se passe le chest, il y a vraiment de grandes chances que ce soit plus long. Si je me tape vraiment des salles de l'enfer et qu'on est obligé de backtrack et tout, comme on n'a pas Mercurius, il est possible qu'on soit trollé et qu'on fasse genre 14 minutes quoi. Des vainqueurs bleus, dommage. Merci Thorak pour les 3 mois, des gros bisous, des conseils ici pour trouver quelle valeur de X, le nombre... Oh, ok d'accord, non, mec, 2 secondes là, j'ai pas ton temps moi. Putain par contre il y a un truc trop bien là, il faut que je le prenne. Les conseils maths, pas maintenant quoi. Le chat si vous voulez l'aider pourquoi pas, mais... Moi pas tout de suite là. Hein. Après c'est pas genre devenu nul à chier cette synergie parce que Cube of Meat est nul quoi. En vrai, si, un peu, non? C'est à chier. Putain, mais Cube of Meat, mais mon dieu, mais... From item cool, tout à chier, quoi, vraiment. Je suis tombé dans le trou, putain. C'est aujourd'hui que tu me le donnes, yes. Oh. C'est sale. Allez, ça c'est sale. Ça c'est ce qu'on appelle de la saleté, quoi. C'est... Ça aurait pu être bien, et en fait c'est de la merde, quoi. Je sais pas pourquoi je sentais que c'était là alors que pas du tout quoi. Je sais pas pourquoi j'ai pas parlé du Magic Mush, mais j'ai pas parlé du Magic Mush. Hein. Les mouches elles font tellement de dégâts que je me transforme instant. Comme il invoque des mouches, lui, c'est vrai que c'est trop bien. Ok. Quatre. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il faut pas pour réussir à faire des runs rapides, quoi? C'est chaud, hein. Ramasse ça, c'est cringe. Ok, faut pas mourir. Ça peut être un énorme plan cul, il y a un super rocher marqué, vu. Il me faut une bombe, please. Ok. Nice. Pour la speed, moins nice, mais bon. On a un gros start de dégâts. Il me faudrait des cœurs bleus, par contre. Parfait. Putain, j'ai des starts, là. C'est quelque chose, hein. Enfin, j'ai des starts. C'est pas incroyable, Click at Z, mais au moins, on part vite, quoi. Derrière, faut prier pour que la run soit cool, mais... Ça m'intéresse pas des masses. Et encore, je passe pas par... Je passe pas par downpour, hein. Allez, on prend pas l'item room, on se setup un petit... Un petit Mercurius.
On se setup un petit Mercurius du plaisir là. Ça c'est pas bien par contre, hein. On a envie de Devil Deal avec elle. Hein. Ça c'était vraiment pas bien du tout hein, ce qu'on vient de voir là. Après on a déjà un tel DPS en vrai. Ça va vite se calmer dès qu'on va arriver à Depths. Mais pour l'instant c'est ok on va dire. C'est un pari. Faut juste pas que je ramasse de cœur rouge sinon ma vie est terriblement nulle quoi. Faut arrêter de me filer des champignax aussi. Hein. Des champinazes là. Oh c'est la première fois que je le vois. Mais j'ai pas de pognon. J'ai pas de pognon, j'ai pas de ressources. C'est terrible. Hein. Ok, on va revenir en arrière, mais... Là, il faut vraiment le pognon, c'est sûr. Hein. C'est beau quand ça se passe comme ça. Hein. Cette bombe était évidemment placée de manière très optimisée. Hein. J'avais fait exprès. Hein. Il est où le Razor Blade? Il est parti. Pourquoi j'utilise pas mon Gelo, là? Au secours. Si j'avais utilisé Gelo, ça aurait été beaucoup plus simple, en fait. Putain, je suis obligé d'utiliser une bombe, j'ai pas envie. Oh merde, ça refile ça. Bah ouais. Bon. On va aller claquer Razor Blade. J'aurais dû lâcher le A+, mais je suis en train de faire les pires optis. Je suis en train de faire les pires optis pour m'en sortir là. Bon, j'ai perdu. J'aurais pu garder le A+ si j'avais pas été un gros connard, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris un cœur bleu, je crois. Je crois que j'ai perdu un cœur bleu dans la mêlée parce que je suis trop con. Quel con! Card reading, c'est vraiment OP. Hein. Pour tous les étages de fin, c'est tellement incroyable. Hein. C'est tellement l'objet du speedrun absolu. Bon, j'ai plus aucune ressource, par contre, c'est terrible. A+, le A+. Oh putain, mais c'est... Oh, anti-speedrun. Hein. L'objet anti-speedrun, cringe, malaise. Il m'a renvoyé à l'autre bout de la... l'autre bout de l'étage. C'est terrible, j'ai eu tellement de champignons là. J'ai eu tellement de champignax quoi. J'ai perdu au moins 30 secondes juste parce que j'ai eu des champignons. Ça sert plus à rien, ça c'est un peu dommage. Même pas en rêve. Let's go. Hein. J'ai pas eu le temps de recharger mon gelo, mais. C'est le meilleur objet du jeu, hein. Vraiment, c'est. C'est limite mieux que Mercurius, hein. Peut-être pas non plus, mais... C'est pas loin d'être le même tiers, quoi. C'est mieux. Ok. C'est vrai qu'ici, tu peux avoir que ça ou Secret Room. Après, si tu te mets que des Secret Room, t'as le seum, hein.
Rolex de merde. Dommage que j'ai pas eu encore un petit tears up, juste un en plus. Range le cup. Ok, nice. En fait, c'est surtout au chest, quoi. Au chest, si tu perds ton 1 sur 2, t'as le seum, quand même. Parce que ça doit être globalement une chance sur 2, j'imagine. Si au chest, ça passe pas, c'est terrible. C'est terrible, ça. Ouh, je sens que c'est un womb 2 qui va me troller. Je sais pas pourquoi. Ça a la gueule d'un womb 2 un peu troll, ça. Un womb 2 qu'on aurait préféré card ridé, quoi. Encore une fois, j'ai pas la blinde de point de vie. Hein. Il voulait pas mourir, c'était terrible. J'aurais dû prendre la batterie par contre, parce que là, s'il y a le bon TP, il n'y a pas le bon TP parce que ma vie pue. Je fais cette salle. Fais cette salle. Nice. Le map god! C'est le retour du map god! Oh, c'est terrible. C'était calculé! Le Isaac god, même, je dirais. Tout était prédestiné, quoi. Et là, tu me mets juste... En vrai, si on fait une run en 8 minutes, c'est incroyable, hein. C'est vraiment, là, c'est une vraie run speedrun. Si on arrive à avoir le portail rouge... Je casse tout! Si on arrive à avoir le portail rouge, je casse tout! Putain, je vais tout péter! C'est parti! J'ai pas rechargé, mais on s'en fout. Let's go! Là, j'aurais juste dû recharger, quoi. C'est terrible, on fait beaucoup moins de dégâts. Après, je peux rester dans Succubus pour faire encore plus de damage, plus 12 de dégâts. C'est parti. Je casse tout! Sub 8! Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas pas faire la même chose le jour de l'event, quoi. Dommage, cringe, malaise. Hop. Judas. On n'a pas fait Judas. Merci Sab pour les 15 mois de T2, des gros bisous. C'est une belle run, hein. Putain, pour une fois qu'on a une vraie run speedrun, celle-là, elle était speedrun, quoi. Speedrun tiers. Hein. Faut être invité déjà. Ouais. C'est vrai que je lose déjà à l'invitation, quoi. C'est dommage, hein. Un perso pour le moment, bah là on en est à 5 quand même. Faudrait... En fait, c'est vrai que ce serait intéressant de savoir quand est-ce que j'ai validé le cinquième personnage la dernière fois. Ouais, non, je vais pas prendre Undefined, non. Sur le chemin, si tu trouves Undefined, tu prends, mais en starter, je suis pas sûr. Ou avec Azazel, ce genre de choses, mais... Pap. Tu utilises une fois pour check s'il y a un starter dans les roar rooms. Ah ouais. Pas bête, ouais. Ah, je fais roll. Hein. Je vais mourir. Je vais mourir en 2 frames. Je vais tellement mourir en 2 frames. Je vais me mettre le IPCAC dans la tête avec Judas, ça va être incroyable. Versus IPCAC, non, Jacob Ladder, c'est pas starter, non.
Oh, c'est terrible. Ça marche encore, ça? Ça marche encore ou pas? Non. Après, je pense que c'est quand même une synergie ok, non? On va aller voir, on va aller voir combien de dégâts on fait à la salle, mais je crois que ça a été nerf, ouais. Pas aussi bien qu'avant, mais oui, en partie. Ouais, c'est ça. Oh, aïe, 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 aïe. La Seed Rigged. Ah, ça marche vraiment pas comme avant. C'est vraiment de la merde. Après, pour les salles avec les ennemis, c'est cool, tu vois. Genre des ennemis partout, tu les défonces, en fait. Alors ça pour ça, c'est bien, quoi. Pour ça, c'est très très bien, aussi. Non, 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 il y a le Devil Deal et tout, je peux pas faire ça. C'est tentant, hein, mais je peux pas. Évidemment, je me tape la pire salle du coin. Pré-recorded footage. Ça peut pas fonctionner, ça, avec Diplopia. Enfin, ça peut pas fonctionner avec IPCAC. Tu peux en DD avec IPCAC? Ouais, je sais pas. Ça me bat les couilles, frère. Où est Diplopia, les cœurs? Joueur. What the fuck, les amis? Oh putain! Oh merde. Pré-recorded footage. Oh non, non, non. Non, exposed. Chiche exposed. Non, au secours. Attends, attends, il s'est passé des dingueries là. Je vais m'évanouir. Oh. Trop de triche ce soir. Mais non, mais. Peut-être. Oh putain, les pires salles. Toujours avant le boss, hein, c'est dingue. Hein. T'es obligé de faire cette salle, quoi. Tu la fais pas, c'est la merde. Après, j'ai beaucoup de range, ce qui est pas terrible avec IPCAC, mais bon. On a Empereur, on a Diplopia de côté. C'est surtout pour la speed, en fait, que le Magic Mush fait plaisir, je trouve. Plus que pour les dégâts. Besoin de me sub pour pouvoir spammer les chichangines. Merci à Palk pour les 3 mois. Diplopia, le Empereur, c'est peut-être une strat. Ah bah si j'ai toujours pas utilisé Diplopia avant la fin, oui. Tous les jours. Et je suis sûr qu'Aeterna est en train de louper ça, quoi. Merci Raiden pour le Prime, des bisous. La dernière fois, tu avais aidé ton cinquième perso à 1h30, donc 25 minutes d'avance. Bah, surtout que là, je suis sur le sixième, en fait. Est-ce que ça va vraiment me servir, cet objet? Genre là, maintenant, là. J'ai pas de clé, putain. Better item, c'est bien, mais... Genre là, tout de suite, dans le contexte... Contexte? J'ai pas de... Dans le contexte, j'ai pas de clé, quand même, hein. C'est... Je veux juste vérifier qu'il y a pas une clé, y a pas de clé... Non,
Bon, on est d'accord que ça, ça arrive... La run que j'ai là, enfin le... Les 2h30 que je suis en train de taper là, ça arrive day one, on m'accuse de triche quand même. Ça arrive le D-Day, peu importe, hein, peu importe qui. Hein. Déjà, faut être invité, hein, mais peu importe qui a ce genre de run. Je veux dire, c'est triche quoi. C'est exposed quand même. Contrôle antidopage direct, ouais, on est d'accord. Donc faut que je fine-tune un peu le... Enfin, non, que je... Non. Que je... Enfin... Faut que ça se voit moins. Enfin, je veux dire... Vous voyez, quoi. Je suis bien, là. Je suis bien en train de faire des allers-retours, là. C'est un poil trop, quoi, ouais. C'est une blague ? Oh, vous savez quoi, j'y vais, quand même. Juste pour voir Better Item en action, j'y vais. Mais j'ai une clé ou j'ai pas de clé ? Mais qui n'est pas mort ? Ouais, Better Item. Ça va que c'est l'entraînement, sinon j'aurais pas fait. Niveau map, j'ai un peu trop fine-tuné, hein. Par contre, ça c'est validé. Hein. Nice. Après, c'est la meilleure des mouches. Hein. Je peux pas le casser, genre. Cringe, ok. Si j'avais reperdu le cœur en trade... Mais pourquoi ? Le problème, c'est que 2h30 aussi, c'est fatigant. Quand ça t'arrive, ça, et que tu dois... C'est déjà mon sixième perso. Et genre là, je dois être focus en mode, il reste 1h15 à speedrun, alors qu'on en a déjà validé 6, tu vois. Pam pam pam. Ouais, c'était très improbable que je prenne pas de dégâts dans cette salle. Hein. Non, celle-là aussi. Hein. C'est fine, c'est fine. Oh oui, c'est fine, on va se refaire. On va se refaire des cœurs. Là. Quand le patch va sortir le jour de l'événement et que, genre, matriarche, ça donnera plus de cœurs. La moitié des trucs qu'on aura appris, ce sera plus possible. Bon, par contre, c'est le problème d'IPK, c'est qu'en fin de run, c'est vraiment de la merde, quoi. C'est... Après, tu peux dire à Eternax, c'est non pour la nouvelle télé. Quoi ? Mais parce que je suis pas invité, c'est ça ? Mais Ben, invite-moi ! Invite-moi, Ben ! Démerde-toi, là, je sais pas. Je sais bien qu'avec MV, là, c'est les avocats en ce moment, mais... Trouve un moyen, quoi. Trouve un moyen de m'inviter, je t'en prie. On est d'accord que je peux pas aller là, hein. Ok, super. Mais putain, la pire salle, quoi. Ça, c'est Ben. À chaque fois qu'il l'ouvre, hein. À chaque fois qu'il l'ouvre, je me tape la pire RNG du monde, en fait. J'ai eu quelqu'un dans le chat dire tout à l'heure, essaye de faire toute une run entière sans dire le pire. On tente la prochaine. Le septième personnage, on le tente en entier sans dire le pire. Le pire, la pire. Hein. Sans dire pire, quoi. Interdit. Bah, je peux pas. Ok, super. Trop de range, au secours. Ouais, c'est long, IPK. Hein. Même avec double empereur, on va mettre 10 minutes et quelques. Hein. Bah, après, j'ai fait vraiment de la merde, mais... J'ai trop trollé, en vrai. C'était bien pour des cœurs, mais pff, j'en ai pas besoin. Pourquoi?
Pourquoi j'ai fait ça? J'étais confuse en fait, je me suis retrouvé devant le fait accompli, j'ai fait mais je peux pas double empereur en fait, j'ai pas de quoi les prendre sur moi. Du coup j'ai préféré troller et perdre 5 minutes quoi. Je viens de perdre 5 minutes là, vraiment c'est flat quoi. Parce que ici je peux me balader comme je veux et au chess je peux pas quoi. J'ai bloqué en fait, mon cerveau il a bloqué, c'était soit ça, soit je faisais un anévrisme en fait. Soit je ruptais un anévrisme. J'étais en mode bon bah du coup je l'utilise là, bah non en fait. Du coup tu fais la cathédrale hein. Si tu fais pas la cathédrale, c'est terrible. Hein. Après, on va être map god à la au chess, c'est sûr et certain. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas de clé. Mais je peux la perdre cette run. Hein. Je peux totalement la perdre. Hein. Parce que là, du coup, mon il sert à rien mon Diplopia. Enfin, si, on va prendre genre double Séraphin, mais. En vrai, on s'en fout quoi. Oh, le temps perdu, c'est abominable. Abominable. Après, vaut mieux faire cette erreur-là aujourd'hui que le jour de l'event, quoi. Le jour de l'event, j'aurais jamais fait l'erreur, mais... On s'en fout du Dead Cat, putain. Défonce-le, là. Le map god. LE MAP GOD! Donc en fait là c'est à peu près équivalent finalement. Padapapapadap. Padap. 11 minutes c'est pas ouf quand même pour un IPK je pense. C'est même un peu à chier. Hein. Qui c'est qu'on a joué la dernière fois, Tainted Lilith? Pas le droit de dire un certain mot. Le Magic Finger t'aurait permis d'économiser du temps, je pense. Et je me baladais avec quoi? Avec Diplopia, hein. Terrible. C'est vrai que Diplopia, on s'en sera pas servi. Quoi. Enfin, si, à la toute fin, quand même. C'était un peu la... C'était pas la meilleure idée, quoi. Merci, Yotol, d'offrir un sub à quelqu'un. Des gros bisous. Padapapapadap. Merci, Dark Plagueis, pour les 3 mois de Prime. Padapapapadap. La brasse du Prime again. Merci pour les 6 mois à Rutia, des bisous. Merci beaucoup. Ça me fatigue le speedrun par contre. Hein. On vient de dépasser la moitié. Hein. Imagine, je t'ai pas donné les vraies règles et tu fais ça pour R. Bah, tu serais pas la meilleure personne de faire ça quoi. Après. Moi, je trouve que ça me traîne vraiment bien de faire ça. Hein. Au pire, j'ai donné les bonnes règles à un autre. Ouais, mais la personne à qui t'as donné les bonnes règles, est-ce qu'elle fait exprès de mal jouer en stream ou pas? Dabadadam, dabadabadabadadam. Din, din. Dibidibidim, didim. Tu as perdu à skip, non? Je sais pas de quoi vous parlez en fait. Merci Mookie Caster pour les 4 mois de Prime, des bisous. Et Pamilator pour les 43 mois. Je pars mon starter, please. Là où on va, on n'a pas besoin de règles en fait. Bah, de toute façon, on n'est pas invité donc. À partir de là, hein. À partir de là, règle ou pas règle, je suis pas invité quoi. Je
Si tu trouves Death Certificate, quel sera le choix? Couteau, apparemment, c'est un des meilleurs choix, ouais. Vu qu'on le voit jamais. Pas la pape, Orson, 600 secondes, 24 heures. Oh, ça marche? Ça fait quoi? Ça doit être un délire, non? Ah, par contre, ça met 15 ans à sortir, quoi. Ça a l'air d'être un plan cul, mais en même temps, le coup de patte à 43 dégâts. Faut que je teste. Et ça a l'air un peu terrible pour... Voilà, ça c'est terrible, quoi. En plus, l'explosion, elle est toute petite. Joue pas ça, tu vas craquer. Ah, ça a pas l'air ouf, hein, ouais. Hein. En fait, le problème, c'est que le coup de patte, il sort en trop lent, quoi. Ça a l'air d'être un plan cul un peu. Hein. Si le coup de patte sortait un peu, juste un peu plus vite, quoi. Ouais, je peux pas prendre ça. Et le coup de patte fait pas si mal en fait. Hein. Je pense que c'est plan cul. Hein. Fallait que je teste. J'étais obligé de regarder à quoi ça ressemble quand même. On perd du temps, mais bon. Il a tout shot le boss, mais il a 2 points de vie. T'as déjà joué au jeu ou pas? Merci Realitic pour les 11 mois. Ah, j'ai dit je rageais pas ce soir. Ça commence. Non. Là, t'as une petite Lilith qui veut pas partir. Hein. En même temps, on n'a pas vu beaucoup d'item room. Hein. On en croise juste pas, quoi. Ah, oh, bon, j'ai rien dit. Il faudrait une bombe. Allez, let's go. L'étage minuscule, hein. Bah, c'est parce que je suis allé à Dunpour, ça. La commande vocale. Hein. Merci Anonymous de faire un sub à quelqu'un. Des bisous. Merci de vous faire des subs. C'est très gentil. Merci le petit Tardis pour les 28 mois. Des bisous. Tout le monde offre un sub à quelqu'un, ça fait plaisir. Pap. J'y retourne. Sur les conseils d'Aeterna. C'est à chier, mais je le prends. Parce que j'ai le believe. Merci Jacuzzi pour les 5 mois de Prime. Ainsi que Yayu Candy pour le Prime. Des gros bisous. Le Hungry Soul m'aurait mis archi bien. Peut-être. Doulouloui. C'est pas une catégorie de speedrun ce qu'on est en train de faire. Hein. C'est juste de la brasse. C'est de la brasse pour un event où on n'est même pas invité, quoi, donc... Chaud. Bien. Je sais pas pourquoi j'y croyais, mais... J'y croyais! C'était dommage d'y croire. Le Prime Dormeur doit se réveiller. Merci pour les Primes qui se réveillent, des bisous. Merci beaucoup!
C'est le 7ème personnage, ouais, là, si vous arrivez. J'ai toujours pas fait de scène de speedrun parce que je suis con. Merci Aizen d'offrir un sub à pas des kills. Merci beaucoup. Vous avez arrêté d'offrir des subs à quelqu'un, ça fait plaisir. Enfin non. C'est bien d'offrir des subs à quelqu'un aussi, mais... Au petit Vengeful Spirit. Pas de skill. Non, ça, pas de skill. Pas de skill. Je trust ça. Je sais pas, hein. C'est 25 pièces, mais merci Corki pour les 6 mois de Prime. Des bisous. Trust 25 pièces, c'est chaud quand même. C'est pas aussi fort qu'avant, c'est bien dommage. J'ai juste vérifié ce qu'il y a là. J'ai envie d'avoir le shop quand même, mais... Attendez, je vérifie. C'est terrible cet étage. Ouais, bon, c'est horrible. J'ai juste perdu du temps, là. Terrible. El Bombino. Nice. Le bon trade. Tu vas essayer de ce qui arrive. Ça roule, ça roule. Installez-vous, on rigole bien. Enfin, vous. Vous rigolez bien, vous. C'est le principal, finalement. Ouais, j'ai besoin du cœur bleu. Une fois qu'on a de la vitesse avec Tainted Lilith. En vrai, Tainted Lilith, Magic Mush, c'est un des meilleurs starters. Hein. Enfin, tout du moins, c'est pas un des... Enfin, vous connaissez le mot, quoi. Déjà, je me tape deux fois la salle de merde. Et en plus de ça, c'est pas voir là, quoi. Nice trade. J'ai perdu au début de la run. Non, regarde, je suis en vie, là. Je crois que tu parles, Ben. Merci, Garang, hein, pour les 4 mois. Des gros bisous. Ça ouvre la salle pour aller au boss ou pas? Je m'en rappelle plus. On s'en fout, on a de la chance pour une fois. Oui. Oui, ça ouvre tout. Je croyais qu'il me restait un cœur rouge. Dommage. Dommage pour les tabous.
Les clés, je prends pas les clés. Dommage, c'est qu'on a perdu du temps avec le IPK, là. On a voulu faire un test et c'était pas la meilleure idée, quoi. Ça a eu temps gagné le jour de l'event, c'est vrai. Oh, c'était un peu con de faire ça. Deux rochers marqués dans la même salle, normalement non, à part si tu le fais avec Tower inversé par exemple. Techniquement si c'est possible. En fait, maintenant, on est content de voir Matriarche, c'est terrible. Enfin, sauf quand ça donne pas de cœur bleu, quoi. Mais... Dommage, le cœur. Merci Fafnir pour les 5 mois de Prime. Déjà 5 mois, je me régale toujours autant. Merci Shish Sensei. Merci à toi, des gros bisous. Merci, merci. Trust. Hop. J'aurais dû mettre une bombe, c'était bien plus rapide. Je trust. Je trust. Ans à descendre, hein. Ce sera pas un sub 10. La musique qui passe, c'est l'OST de Dicey Dungeon. Qu'est-ce qu'on a joué la dernière fois? Je trust. Je trust ou pas là? Capricorne, c'est léger quand même. Hein. Après, on est là pour s'entraîner, hein, mais c'est très léger Capricorne. Hein.
Bon, je start Capricorne, allez. Merci à Belgar pour les 1 an et Holo H pour les 3 mois. Des gros bisous, merci pour les resubs. En fait, niveau temps, je pense que je peux me permettre une run qui doit juste survivre à la fin. Je crois que c'est le 8ème perso là, ouais. Hop. Hop, hein. Tellement de rochers marqués, mais si peu de small rock, quoi. C'est un trust compliqué ça aussi. Merci Ben Tomate pour les 16 mois et Noix Fruit pour les 15 mois. Des bisous. Par contre, faut valider en fait. Ça reste Guppy High quoi. Tu sais quel coffre ouvrir en speedrun, c'est bien. Hein. Ça te permet de rentrer dans les challenge rooms par exemple. Truc auquel j'avais même pas pensé à la base. 10 pièces, ça donne envie, mais... Double all stats up, je suis là. N'oublie pas de jouer Eden. C'est vrai qu'on peut jouer Eden. Hein. Quel perso on a joué la dernière fois qu'on n'a pas joué pour l'instant? Je crois qu'on les a tous joués, les persos de la dernière fois, non? Ah non, on avait joué Tainted Judas aussi? Je sais plus. Une petite Judas, on avait joué. Ouais. J'allais trust un truc qu'il faut pas trust là. J'allais trust de placer une bombe maintenant. Ah, j'ai bien fait de pas le trust. Jugement inversé. Ok. J'oublie de récupérer des ressources qui sont pas récupérables à la base. La musique qui met pas la pression du tout, ça. Merci Antimedo Co pour les 2 mois de Prime, des bisous. Bouette. Nice. What? Pour jugement inversé, on sait jamais. C'est mort. Alors là, on est bien content d'avoir une bombe. Là aussi.
superbe. Oh, les étages sont infiniment grands. Oh là là, c'est grand. Heureusement que je rage pas, parce que là, j'aurais ragé. Hein. Aïe. C'est bien les Devil Deal, hein. C'est cool, hein. Je pense que sur la durée, ça vaut le coup. Je suis pas convaincu, mais bon. C'est quand même un tears up, quoi. Ouais, elle est longue, cette run. Après, c'est un start rapide. En fait, faut se dire aussi que là, Capricorn, sur deux rolls de Forgotten, faut prendre, je pense. Le truc, c'est que c'est deux rolls, quoi. Et les rolls, on l'a vu la dernière fois, ça peut être tellement infâme. On l'a vu avec Tainted Lit aussi ce soir. Que je pense que dans le cadre de l'event, sur Forgotten, tu fais deux rolls, tu prends. Hein. Tu trust, quoi. Si tu fais un 20 minutes derrière, il sera toujours temps de te dire, bah au pire, j'étais même pas sûr de start, en fait, quoi. Non, pas maintenant. Ou alors j'aurais pu la claquer dans la salle en cours. Mais... Pognon, j'ai pas le temps. J'ai quand même envie d'avancer un peu. Bon là, niveau damage, c'est terrible par contre. Je sais pas ce que ça fait. Je suis obligé de test. Je sais pas ce que ça fait en fait. Ça fait triple shot, donc ça a l'air bien. Ouh, Mercurius. C'est Jupiter, non? Non, c'est pas Jupiter, c'est Saturne. Rigolo. Aïe. Petite blague sur antisocial pour Trust, c'est ça? C'est ça que tu veux, SPP? Je devrais peut-être plutôt prendre avec les... Avec les cœurs rouges au bout d'un moment. De toute façon, le seul rôle des cœurs bleus, là, c'est de les utiliser pour... Pour prendre du Devil Deal. Oh, nice. Oh, le build full squelette, là. Nice. T'en fous du cœur. Oh. Oh, je martifouette là. Les coups de Benalade qui partent là. Il va jamais sortir sa tête, il va jamais sortir sa tête, ça va être très cringe. J'aurais dû mettre une bombe depuis 1000 ans, en vrai. Dommage. C'est non. On veut voir ça. Je dirais par là. Mais... La vérité, j'en sais rien. Ah, c'était peut-être à gauche. Dur.
Ouais, c'était same. Hein. Non. Oh, il y a une Soul of Lilith là-bas. Est-ce qu'on s'arrête pour prendre la Soul of Lilith? Je pense que oui, en vrai. Normalement, j'aurais dû réagir et juste utiliser ma forme fantôme. On en avait pour 2 secondes. Ça peut pas donner Bob's Brain en plus, je crois. Je suis un build core. En fait, je suis pas totalement en désaccord avec Bob's Brain en speedrun. Enfin, ce serait même bien. Mais dans un build corps à corps, je sais pas. Saturnus, Kari. C'est combien tième perso là? 8ème? Bon, si ça redescend pas, c'est terrible par contre. Oh, mais what? Mais c'est par où? Oh là là, c'était vraiment juste à gauche? Non mais please. Au secours quoi, tu vois que ça part à gauche. Tu vois que ça part à gauche et qu'il y a la curse room, tu te dis bah jamais en fait, ça va juste être un... Ça va être un putain de piège quoi. Et non en fait, c'était bien juste là quoi. Enfin juste là en faisant 50 allers-retours quoi mais... Le map god, fatigué. Ça rappelle des souvenirs. Hein. Mais oui, j'arrive pas à le faire, hein. C'était trop difficile, hein. Je sais pas comment il faisait. Hein. Bah, j'en sais rien. Gauche. Sur un pif total. Hein. Il y en a qui étaient là sur la ref. Là. Il aurait pu me donner mon deuxième Guppy, mais bon. Alors, on a trust un Guppy qui est jamais venu, quoi. Hein. 12 minutes pour un start qui était pas un start, enfin pas le meilleur start possible, hein, ça fait plaisir. Hein. Ça aurait sûrement pu mieux se passer. Allez, je piffe. Je piffe tellement mal. Je piffe tellement mal. À tout mais une chance sur deux là, je les prends dans le cul en fait quoi. Les explosions c'était sûrement bien. Ouais. Non. Allez. Je rage pas. C'est tout sauf de la rage, quoi. Mais où ma liche pourrie, là? Elle est morte, en fait? Faut péter les cœurs noirs aussi. Est-ce que je peux faire genre, je peux tricher? Oh, l'optimisation de malade en fait. Oh, l'optimisation de ouf! J'aurais pu claquer des bombes aussi, ça. Hein. Qui c'est qu'on n'a pas joué? Tainted Judah, mais on avait dit qu'on voulait jouer Eden aussi. Bon, jouons Tainted Judah déjà.
Ok, non, moi, c'est... non, en vrai, c'est terrible. Non, non, c'est terrible. Non, en vrai, c'est pas normal. Je suis d'accord avec vous, c'est pas normal. Non, je suis d'accord. On vient d'avoir un god item en... Enfin, c'est plus aussi fort qu'avant, attention, mais bon. C'est tech 10, quoi. Ça n'arrivera tellement... Celle-là, c'est bien, c'est que ça va être l'étalon de ce qui n'arrivera jamais le jour J, en fait. Et attention, tech 10, voilà, ouais, tech 10, en fait, maintenant, c'est quand même pas mal de la merde. C'est toujours aussi, aussi no-brainer qu'avant de prendre tech 10, en vrai. C'est quoi les nouveaux trucs à savoir sur tech 10? C'est qu'il y a des synergies partout, maintenant? Sans homing, c'est pas ouf, hein. Meta Godroom sur tech 10, peut-être. Un super rocher marqué, mais j'ai pas de bombe. Et là, converteur. Converteur, c'est patch sur console, déjà. Hein. Ça n'existe plus sur console. Hein. Faut réussir à baisser le speed shot. Je sais même pas si c'est encore un impact depuis repentance. Hein. Pff, si seulement ça pouvait fonctionner, putain. Seulement j'avais eu Dead Eye avant Tech 10 quoi. Mais en même temps je serais pas parti avec Dead Eye. C'est le 9ème personnage là. Ouais. Y a pas de potentiel rework de Tainted Cain, il est déjà rework sur console. C'est juste que ça va peut-être encore un petit peu changer par rapport à ce qu'ils ont déjà fait sur console, mais... Ça fait longtemps qu'on sait que ça allait être changé, quoi. Je fais Godroom, tu vois. Et là, il y avait Brimstone, et c'est dommage. Encore sur Switch, si, mais pas en Europe. Le seul endroit où c'est pas sorti, Repentance, sur console, c'est sur Switch, exclusivement en Europe. C'est le coup dur, un peu, quand même. Eternat a loupé, je suis en train d'être incroyable là. T'as tout loupé. Je suis en train de faire du vrai speedrun et tout là, j'ai eu card reading, on a joué l'appel, on a fait des vrais trucs et tout. On a joué deux Mercurius. T'as tout loupé. Je suis là, je regarde. C'est vrai ce mensonge? Trois Magic Mush de suite. Hein? Je me rappelle pas de ça, moi. Oh oui, je me rappelle qu'il y a eu un Magic Mush de l'enfer. Il y a eu un Magic Mush Call de l'enfer. Il y a eu un Trust Magic Mush. Il n'avait aucun sens. Si c'est pas assez Dark Arts en même temps, comme je dois charger mon tech 10 au max, je sais pas si c'est le bon plan en fait. Nice. Oh là là.
Ça fait quelques étages par contre ou quelques runs que le mapping à cave, c'est un cauchemar. Hein. Je... Oh là là, pourquoi je reste ici? Au secours. Double boss du plaisir. Nice. Time loss. Dommage. Putain. Une synergie, ça. Non, mais je voulais pas faire ça en fait. Merci Karmic pour les 15 mois de Prime, des bisous. Merci beaucoup. Petite blank card là. Blank card, chaos card, c'est combien de charges? Oh les dégâts. J'en sais rien, j'en sais à vrai dire que dalle. Je pense que ça fait rien. On n'a pas assez de tirade pour. Merci Knuna pour le sub. Icevam pour les 5 mois. Des gros bisous. Nojastramus, j'ai loupé pour les 7 mois. Des gros bisous aussi. Oh putain. Ouais, tech 10, en vrai, c'est chaud. Hein. Oh, après, on l'a trouvé direct, donc encore une fois, il fallait partir, mais... C'est une run no deal. No deal, no god room pour l'instant. Enfin, ce que j'ai eu, c'est à chier quoi. Vas-y, viens pour voir. J'ai vraiment pas la patience. Merci Japixi pour les 13 mois. Je pense que c'est le boss qui me prend le plus de temps vu qu'il fait que de se casser et que ses hitbox elles sont jamais accessibles. J'ai vraiment pas envie. Je trust le fait que je vais avoir plus de dégâts plus tard quoi. Ce qui est peut-être une bêtise mais bon. Non, meurs s'il te plaît. Hop, hop, hop. 6 charges la Chaos Card du coup. Incroyable.
Oh, c'est terrible. C'est terriblement à chier, quoi. Non. Oh là là. Oh là 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 là. Ouais, bah... J'aurais bombé cette salle si j'avais pas eu un cœur à prendre ici. Ça, c'est une salle qu'il faut pas bomber, c'est dommage. Yes. Allez, putain! Mais regarde, il meurt jamais, c'est terrible! C'est terriblement nul, quoi. Terriblement nul, Tech 10, maintenant. On speedrun le cauchemar du truc, quoi. 10 minutes, hein. 10 minutes. Le cauch, quoi. Regarde-moi ça, putain. Le cauch absolu. L'item a été ruined. Ruined. Devil Deal, sauve-moi, sauve-moi. Putain, je viens de claquer toutes mes bombes comme le roi des cons, quoi. Bon, moi j'ai trouvé des cœurs. Hein. Le but c'est de survivre. Je trust. Ça sent le regret, ça sent le regret. Petite odeur de regret là, ouais. Petite odeur de regret sur cette run. Petite odeur de je vais rager, je pense. Je pense que je vais rager, ouais. Je pense que là ça va être terrible, mais je vais rager un petit peu, je pense. Ouais. Le petit plan cul là. Ouais, ça c'est bien de la merde aussi. Heureusement qu'on a trouvé des cœurs. Pourquoi je fais pas cette salle? Je sais pas, personne ne sait en vrai. Puis Dark Art, c'est anecdotique avec Tech 10. Enfin... Au secours. J'ai pas fait un bon choix dans cette cathédrale. J'espère qu'il fait des gros dégâts lui. Hein. C'est dommage, c'est pas là qu'il fallait l'utiliser. Après, il va se recharger. Mais... Pousse ton cul! Il est coincé ce con. Y'a un ennemi devant toi en fait. Y'a un ennemi devant toi, mec. Faut passer en mode playthrough et juste terminer la run, mais c'est terrible. Hein. Le temps perdu est terrible. Si on valide celui-là, on valide notre objectif de 9 persos, mais j'aurais bien tenté les 10, quoi. Remote, mais remote, je vais gagner 2 DPS, quoi, enfin... Voilà. En vrai, ce qui est bien, c'est qu'avec remote, j'ai le spread, là, la cryphagie qui fait quelque chose. C'est assez incroyable. Ça me permet un burst.
Bah, on va compter sur les... sur les items, hein. Je sais pas si ça fonctionne, mais ça peut que être mieux, j'imagine, non? Thank God. Thank God. C'est juste 20 ans trop tard, mais... au moins, on finira pas en 20 minutes de manière cringe, quoi. Du coup, dernier perso, Eden, I guess? Ou Kane? J'ai bien envie de tenter Eden pour voir un peu, mais... je pense qu'Eden est méta. Tainted Mag... oh putain, il est tellement énervé! Oh, je l'ai tellement vénère, il a un cul maintenant. Par contre, il n'y a plus de synergie avec la Cliffagie, je suis un peu déçu. Hein. Je pense que pour trouver un start, Eden est sûrement plus rapide. Ouais. Mais ça implique qu'on ait des saves avec des Eden tokens, donc ça c'est pareil, ça se discute avec Ben, quoi. Est-ce que c'est validé que la save 100%, on a le droit qu'elle ait plein d'Eden tokens aussi, quoi. Parce que la save 100%, ça implique que la save est 999 pièces dans la machine, ça d'accord. Est-ce que ça implique que la save est full Eden tokens? Traditionnellement, oui, je crois que quand les gens font du speedrun, c'est le cas. Hein. Même les gens qui font du streak, souvent. T'es pas invité de toute façon. Ouais, mais j'aide à faire les règles, tu vois. Je suis un peu le good boy, tu vois. Tu vois, Shishayu, t'as 4600 heures d'Isaac, donc si tu peux nous aider à faire les ventes sur lesquelles t'es pas invité, c'est cool, quoi. Je suis le bon copain, tu vois. Ok, merci, c'est Lamas et Dougie pour les subs. Des gros bisous. Du coup, on va partir sur Eden. On va essayer de faire un 10. Ce serait incroyable de faire 10. Par contre, ouais, pour reroll plus vite, il m'aurait fallu le tracker. Quinte. Faut pas que je reroll trop vite quand même. Oui, bien sûr. Oh, j'aurais pu claquer un coup de descente quand même. Cricket said. Magnetizing. J'ai pas de tir rate en vrai. Je pense qu'on peut trouver mieux, non? J'ai pas de speed, j'ai pas de tir rate. Par contre, j'ai undefined. Hein. J'ai cricket said et undefined. C'est un peu rigged, non? Undefined, ça s'utilise direct ou là on est au premier étage, on peut chercher des arnaques? Je pense qu'on cherche des petites arnaques, quoi. Oh oui, petites arnaques. Le problème, c'est ma speed, là. Est-ce qu'on a envie de ça? Je suis pas sûr. Est-ce qu'on a envie de Momski? Ça peut être un pari sur l'avenir. Ok, bonjour dans le cul. 17 minutes, let's go. Bon, en vrai, c'est le dernier perso. Hein. Faut pas penser qu'on puisse en faire un dernier derrière. Mais bon, si on arrivait à faire cette run en 7 minutes, pourquoi pas? Mais faudrait juste énormément de chat, quoi. Après, 10 persos, c'est bon, quoi. Enfin, 10 persos, ça n'arrivera plus, quoi. Passer par Downpour là. Souvent des coffres là-dedans. Ouais, super. Paye tes coffres, quoi. Il te reste 16 minutes, t'es large. Pour finir cette run, oui. Pour en faire une autre derrière, non. Pour finir cette run, bien sûr, je suis large. Mais... Angman, peut-être. Attends. Putain, c'est pas là du tout. Il y a le boss, quoi, mais... je voulais Angman les coffres, en fait.
C'est une chance sur 3, vous êtes sûr de ça? Je fais un playthrough là. Dommage d'avoir vu le Devil Deal avant le HP up qu'on va choper juste après là. Bon bref. Cassons-nous. Go l'appel. Je sais pas hein. L'appel c'est dangereux. Tout à l'heure j'ai pas kiffé la run que j'ai fait avec l'appel. Hein. Je préfère baser ça sur la RNG. Genre si le jeu veut vraiment m'envoyer en glitch room qu'il le fasse. Mais l'appel... j'ai rien dans mon build là. Hein. Si j'avais un couteau j'aurais pris l'appel. Mais là c'est dangereux je pense. Hein. Tout à l'heure on a eu de la chance. Hein. Je sais plus avec quel perso c'était mais... Bon, ça, j'avais dit que ça allait être cringe. Bon, bah, vas-y, c'était le destin. Hein. Non, mais j'ai pas envie de la jouer du tout. Mais je voulais prendre le cœur, putain! Y'a rien qui va, là! J'ai pas envie de jouer l'appel. Hein. L'appel, on va juste pas finir la run, quoi. Ça commençait bien, et puis on est à 3 minutes à CAF, quoi. C'est terrible. J'avais peur que ce soit un look-up, mais ça n'en était pas. C'est notre 10e perso, là. Magic Mush. Putain mais ça sert à quelque chose quoi. Je sais pas pourquoi je vais par là alors que ça va jamais être là mais... C'est quand même pété de jouer en normal. Hein. Ou le capacitor, je sais même pas ce que ça fait. Faut arrêter avec les rochers marqués par contre. Hein. Oh, je l'ai pas cassé parce que je suis con. Yes, oh, ça marche bien hein. Ça marche bien, 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 bien. C'est trop bien. Putain. Oh là là. Ça marche bien, Define. Hein. Zéro rage. Bon, de toute façon, vas-y, allez, j'ai 10 minutes pour la finir et on fait 10 persos, quoi, mais... En vrai, comparé à la dernière fois... Ça compte dans la streak, bien sûr, non. Comparé à la dernière fois, j'ai quand même beaucoup moins ragé, non? Après, on a commencé par genre 2 Mercurius... No time for this shit en fait. Là j'ai pas de speed. Hein. C'est quand même ok tiers le chili hein. Oh, super. Hein. La dernière fois, t'étais full médicaments, vitamine D. Pas du tout. Ça marche bien. Miam, 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 miam. Je mets une bombarde. C'est la même salle, salle, salle. Ouh, Mercurius. Si j'ai 3 fois Mercurius, j'offre 100 subs, c'est pas possible. Non, mais mec. Arrête à chaque fois que je le call, putain. Une autre fois, j'ai plus d'argent, là. J'ai plus d'argent. Putain, à chaque fois, il est là, quoi, j'en peux plus. Et le jour de l'event, je vais faire, j'offre 1000 subs, s'il y a Mercurius, tiens, Jupiter, nique ta mère, allez. Oh.
Le jour de l'event, il sera jamais là. C'est ça qui est horrible. C'est que là, on rigole. Et le jour de l'event, il y aura pas, en fait. Non, mais j'ai pas d'argent. Désolé. C'est pas possible. Tu penses quoi de ce ratio? J'aime bien. Imagine, là, j'allais en bug room. On est bien à Debs 2, là. Ça aurait été terrible. C'est le seul étage où faut pas l'utiliser. C'est chaud, en fait. Super. Ça se passe trop mal. Ça se passe trop mal. Je me bats, je vois. Je vous ai roté dessus là. Oh, encore. Note de musique était mieux, non? J'ai encore envie de burp, là. Vous gnoquez et je gnonie même pas en retour. Comment ça, le gnonie? Quel gnonie? Oh là là. Putain, j'ai vraiment zéro chat, quoi. Merci, Alien Argent, pour les 5 mois. Des gros bisous. Plus que 99, et vous les avez offert vous-même, hein. Non, pardon, j'arrive. J'appelle la banque. J'ai combien de guppies? Je sais plus. Deux. Un. Je crois que j'en avais qu'un. Skip de la cathédrale, c'est maintenant. Vas-y, Ghostility, c'est pour toi. Nice. Ça n'a pas fonctionné une fois, quoi. Bon, je suis en train de perdre tous mes dégâts, hein. Le petit chili qui s'en va, hein. Petit chili parti trop tôt. C'est incroyable que j'ai pas pris de... Ouais, j'ai perdu le mantle derrière, mais... Il y a eu une esquive à un moment, faudrait la revoir au ralenti, parce que... C'est juste n'importe quoi ce qui s'est passé, en fait. J'essaye de rester in the zone, mais... Maggie Sacrifice en 5 minutes, mais on doit aller au chest. Tut. 6 minutes, chiche, allez. Non, mais il n'y a aucun doute qu'on l'a fini. On l'a fini même sans Mercurius, hein, y a pas de souci. Hein. Ça aurait été peut-être sur le fil, mais 6 minutes, c'est très très large. Hein. Je vais mettre les dégâts du 120 volts, mais c'était pas très pertinent. Ok. Ah. 10 personnages. 11e, vite. Non, il y a 5 minutes, c'est pas possible.
En vrai, 10 personnages, c'est insane, hein, mais on a vraiment eu beaucoup de chance. Hein. On a vraiment eu énormément de chance. Après, on a bien joué. Eden, faut le faire dans les premiers. Peut-être, ouais. Après, là, c'est l'exemple de la run Eden qui était incroyable, mais... C'est sûr que Eden, il a une grande chance de commencer vite, quoi. Et en plus, Eden, il peut commencer avec Mercurius, s'il veut. Hein. Il peut commencer avec Death Certificate. Ouais, non, mais Eden, t'es obligé de le jouer, en fait. Enfin, faut voir si ce sera autorisé dans le tournoi. Et ça je sais pas, parce que je suis pas invité, mais... Mais en vrai... Ah... Oh là 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 là... Oh, quel plaisir. On l'a fait, quoi. Merci Barnesworth d'offrir un sub à The Number V. Merci beaucoup. Des gros bisous. Et merci Frigorico pour les 29 mois. Merci, merci. Et GG Chiou, des bisous. Putain. Merci beaucoup à Shishio Miyamoto de... De frère sans sub à la commu, bien sûr. Des bisous. Merci Cheyou. Le bon chien, quoi. Non, par contre, jamais tu mets l'alerte. Hein. Allez hop. Merci Speculos pour les 23 mois de T2. Non, c'est bon. Non, le goût est assez salé. On va pas se taper les 100 trucs, hein. Non, non, non. Faites-lui fermer sa gueule, là. Non, 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 non. Tellement sad d'en recevoir jamais. Bah, désolé, hein. Zéro rage de la soirée, mais sans sub, quoi. Ça fait cher, le PB, hein. Merci Zonzi Schlag pour le Prime. Donc, dites-vous que pour faire genre 11 personnages, il faudrait que ce soit plus honteux que ça. Ou alors, il faudrait que ce soit... Ouais, non, ici, il faudrait que ce soit plus honteux que ça. 11 personnages, ça me semble improbable. Enfin, genre, vraiment, 11 personnages, je demande la VAR. Merci Zonzi et merci Alex Sama pour les 5 mois de Prime. Le Prime se réveille. Des bisous. Putain. World Record 11 persos en 2h14 sur Afterburst Plus. Non mais... Évidemment que tu peux, tu vois. Petit récap pour tout. C'est le prix de ma paire de bottes, mais bon, oh merde. Après là, je suis remboursé quand même d'un certain pourcentage, quoi. Je perds la moitié, quoi. Ah. Il risque d'y avoir pas mal d'égalités, comment ils vont départager? Ça par contre, c'est la vraie question. Déjà, un, qui participe? Deux, qui participe? Et deux, qu'est-ce qui se passe en cas d'égalité aussi? Si t'as plus de... C'est qui en fait? C'est celui qui a... Peut-être après, l'égalité peut se départager facilement si par exemple quelqu'un fait 10 persos en 2.25 mais qu'il y a quelqu'un qui fait 10 persos en 2.24, bah celui qui a fait 10 persos en 2.24, il est devant en fait. Donc le temps, ça peut fonctionner, il peut y avoir les wipes, il peut y avoir plein de règles qui se mettent très vite en place, quoi. Pourquoi tu traînes si t'es pas invité? Bah parce que j'aime bien jouer à Binding of Isaac, mais... Merci Sinex pour les 5 subs offerts à Cutie Fire, Immergé, Pyrox, Okomari et Oob. Des gros bisous, merci beaucoup. Ce sera des Twitchers qui participent. Bah ouais, c'est pour ça que je suis pas invité, quoi. Non mais c'est juste, on sait pas qui est invité. Vous verrez bien, mais genre juste, on sait pas, quoi. On sait pas qui est invité. Mais calmez-vous. En cas d'égalité, c'est l'aîné qui gagne. Il y a toujours aucune info. Bah on connaît quand même les règles et la date. On connaît les règles et la date. C'est déjà pas mal en fait. On recommence. Non, tu repars pas sur 2h25, c'est un cauchemar. Au revoir YouTube, on l'a fait. 10 personnages. Au moins on pourra dire qu'on a fait 10 personnages. Je l'ai fait. Je l'ai fait avec preuve et tout. Hein. Et en plus de ça, ça c'est une super... Je pense que c'est une super VOD à best-of celle-là.